Bonjour, vous allez à quel étage? Ouais, le son qui marche! Heureusement que j'ai mon superviseur discret qui est dans le coin et qui surveille les énormes fails que je fais à répétition, surtout en début de stream, ça peut être très gênant, surtout si ça concerne le son et que je vais faire que parler d'un logiciel. Et oui, aujourd'hui, pas de jeu. Mais qu'est-ce qui se passe? Bah, les jeux, c'est bien, mais il n'y a pas que les jeux en logiciel, il y a des logiciels tout à fait intéressants qui méritent qu'on s'y penche. Je fais celui-là sur Sculptris, qui est un soft de modélisation 3D. Bah, tout simplement parce que c'est quelque chose que tout le monde ne connaît pas, vu que ça ne fait pas partie des gros noms classiques de chez Autodesk et compagnie, qu'on voit souvent sur les génériques de super productions au cinéma. Lui, c'est plutôt un petit soft pour faire du rough. Alors, n'entendez pas rough sur le côté péjoratif du mot, mais plutôt rough, c'est-à-dire rendre rapidement un volume sans trop se prendre la tête. Et vous allez voir que c'est super efficace à ce niveau-là. L'autre particularité, et c'est là que je m'adresse aux gens qui sont intéressés par la 3D, mais ont peur de se lancer dedans, parce que quand ils voient tous les softs de 3D, ça les gonfle et ils comprennent pas trop comment ils vont arriver à modéliser. Le fonctionnement de Sculptris se rapproche vraiment de la sculpture dans de la terre glaise. C'est-à-dire qu'au lieu de travailler directement avec des vertex, c'est-à-dire les triangles, les polygones, tout ce qui construit les bases d'un objet 3D, ici on va être complètement assisté sur ce côté-là et on va totalement le mettre de côté. C'est-à-dire qu'on va travailler, en termes techniques, on appelle ça des NURBS, on va travailler avec des courbes, ça y est, je suis arrivé à tout traduire le mot d'un coup dans mon esprit un peu embrouillé. Et du coup, ça permet de transformer totalement l'interface en vous la proposant non pas à base de géométrie à assembler, extruder, faire se croiser, etc. Mais ici, on va travailler directement sur un volume qu'on va contrarier. Tout simplement. On n'a plus besoin vraiment de termes techniques. On ne se prend plus la tête avec quoi que ce soit. Et donc, pour les gens qui ont un petit peu la phobie de la modélisation 3D, bah, je les invite à essayer ce programme, Sculptris, qui a le bon goût d'être gratuit. Oui, je le dis gratuit. Et là, normalement, sur l'écran, je pourrais rajouter un truc qui clignote gratuit, gratuit, en rouge et jaune. C'est super important. Mais bon, le message est passé. Si vous voulez vous initier, je vous invite à vite aller le télécharger sur le site de l'éditeur, l'installer. C'est pas très gourmand en espace. Point de vue configuration, ça tourne sur des babasses de toute époque quasiment, puisque c'est très très léger comme programme, vu que ça n'embarque pas toutes les fonctions d'usine à gaz des logiciels de haut de gamme classique. Et puis vous pourrez ben, directement l'essayer, et puis voir si c'est un style de modélisation qui vous convient. Alors la scène, on l'a direct sous l'écran, il n'y a pas beaucoup d'action dans ce stream, hein, je suis désolé, mais on va faire avec. C'est un soft de 3D, hein, on n'est plus dans Tan Carter, va falloir s'y faire un petit peu. Je vous fais un petit parcours sommaire, et je préviens quand même d'avance que ce n'est pas un tutoriel, c'est vraiment une démo du truc. Je ne vais pas vous dire, oui, alors je suis un grand pro, j'ai maîtrisé tous les outils, le soft, je l'ai installé depuis moins de 48 heures, pour être tout à fait précis. Donc vous verrez ce que monsieur n'importe qui, parce que je n'ai pas la prétention d'être un modéliseur 3D avancé, vous verrez que en fait tout à fait n'importe qui peut arriver très rapidement à exprimer quelque chose avec ce soft, pour peu de s'y prendre avec un petit peu de, pas une rigueur, mais de piger les bases. Le manuel, c'est un PDF qui fait 46 pages, je vous invite à le lire, franchement, c'est moins con que de se taper le journal. Et du coup, vous aurez immédiatement repéré les fonctions qui vous intéressent en priorité. Ça va concerner bah, évidemment la modélisation. Donc, c'est tout ce qui se passe sur la gauche là. Vous voyez moi, bien mon curseur, j'espère. Bim, bam, boum. Ensuite, vous aurez des opérations que vous pourrez effectuer sur cet objet, y compris ce qui est vachement intéressant, bah, de bosser directement en symétrie. Parce que souvent, quand on crée des personnages, bah, à la base, ils sont essentiellement symétriques. Donc la fonction est activée par défaut, c'est tout à fait évident. Moi j'aime bien avoir mes petits polygones apparents, comme ça je sais où j'en suis. Et en dessous, vous avez les fonctions classiques de sauvegarde. Qu'est-ce qu'on a juste au-dessus? Alors toute cette zone-là, ben, ça va concerner l'édition de votre objet par rapport au pinceau que vous allez utiliser. Faut considérer ça comme vos pinceaux, hein, tout bêtement.
Et donc, vous pourrez en régler, oulala, l'articulation, aujourd'hui c'est une cata, j'aurais mieux fait de mettre de la musique de fond. En régler la taille et en régler également la force. D'accord? Vous aurez des tas d'autres options sur lesquelles je ne vais pas venir tout de suite. Ici, on a des fonctions concernant le matériau, enfin la façon dont la brosse du pinceau est foutue, ce qui fait qu'elle va pouvoir donner, au lieu de donner un aspect uniforme permanent, vous pourrez tout à fait jouer avec des brosses qui ont des rendus complètement originaux pour d'emblée faire du bumping, c'est-à-dire du relief texturé sur vos objets. Et juste là, vous avez le matériau principal utilisé pour vous faire un aperçu dans le rendu de la scène, sachant que vous pouvez mettre à peu près ce que vous voulez. Oh, c'est beau le chrome, mais le problème c'est qu'on le déforme, on n'y comprend rien. Donc on va rester en blanc, on est très très bien. Yippee-ki-yay! Donc cet objet, qu'est-ce qu'on va lui faire comme torture? On va essayer dessus tout connement les outils comme quelqu'un qui n'a jamais touché. Alors ici, on va pouvoir créer dans l'objet des creux, d'accord, qui vont se renforcer. Je continue pas plus loin pour préciser quand même que le soft vous encourage à utiliser une tablette 3D. C'est d'ailleurs pour ça que je vais virer le clavier. Hop, 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 parce que vous vous servez très très peu des raccourcis et des touches clavier. Et en fait, il est assez bien foutu pour vous permettre une manipulation, le stylet dans une main, la souris dans l'autre, et tranquille Alberto, pour bouger votre forme, pivoter autour, un petit coup de bouton droit, c'est instantané. Il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Vous avez le zoom sur la molette. Si vous faites un contrôle, merde, non, c'est Alt. Vous pouvez scroller, d'accord, déplacer le bousin. Et en fait, la fonction pour pivoter autour de l'objet qui est sur le bouton droit de la souris, vous l'avez également par défaut sur le bouton de clic du stylet. Non, je surveille le retour en même temps parce que j'en ai marre de faire des failles. Donc voilà pour ce qui est manipulation de l'objet dans l'espace. C'est pas super compliqué. Vous pouvez faire ça vraiment pépouze, tranquille, peinard. Niveau tablette, c'est super intéressant. La gestion de la pression fait que vous avez réellement l'impression de mettre les doigts sur quelque chose en terre. C'est assez génial. Il y a une touche qui est commune à ce soft et à ZBrush du même éditeur, qui est le fameux j'appuie sur espace pour avoir ma mini interface. Alors j'espère qu'on la voit bien. Une mini interface sur laquelle je ne vais pas m'étaler sur les quatre trucs, mais les deux essentiels, c'est-à-dire le truc de gauche qui est pile sur du blanc et qu'on ne voit pas, hippie, fallait que ça arrive, qui vous permet de régler la taille de votre brosse et sa force. Sachez que si vous gardez appuyé espace et que vous cliquez hors de la zone tout en bougeant soit horizontalement, soit verticalement, en fait vous allez avoir le même résultat sans avoir à viser les deux bitonios là. Donc, hop, là, horizontal, je change la force et vertical. Vertical, il veut pas. Merci, si, c'est gentil de vouloir des fois. Oh, je reviendrai, ça, on est bien accueilli ici. Voilà pour ça. Une fois que vous avez maîtrisé cette base d'interface, je vous garantis que vous allez pouvoir vous lâcher dedans, même sans savoir à quoi correspondent ces damnés outils. Et d'ailleurs, on va se lâcher dedans, on va essayer tous les outils un à un pour découvrir ce qu'ils font. Alors, hop, ouais, j'ai baissé la force, donc c'est normal. On va se la remonter. Hop. Mon Dieu, on va se faire un smiley comme c'est original. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Il m'emmerde ce halo blanc. Je vais changer de texture. Bim. Ah, on est mieux là comme ça quand même. Et voilà. Donc, l'outil pour creuser, je pense que vous avez clairement compris ce qu'il faisait. On va essayer un autre outil. L'outil rotation. Je ne vais pas l'essayer tout de suite parce que l'objet n'est pas encore assez rempli, mais vous comprenez bien qu'en fait, il va vous permettre de faire une rotation sur une zone définie. Je vous rappelle qu'on est en symétrie sur l'axe vertical, là, c'est tout à fait normal. L'outil d'échelle va vous permettre d'exagérer des zones. Hop là. Là, je bosse vraiment qu'à une main, je ne me prends pas la tête. Hop. Autre outil super intéressant, l'outil pour attraper. Alors attraper, il porte bien son nom, il va me permettre de prendre la matière et soit de la pousser, soit de la tirer d'un côté comme je veux.
Je vais mettre une brosse un peu plus grosse. Juste, voilà, je le fais à la vraie. Hop. Donc l'avantage de bosser comme ça, c'est que vous faites pas chier à... Désolé pour le terme, mais je suis très détendu pour ce stream. Vous faites pas chier en fait à aller chercher le bon outil qui va vous sortir la bonne série de courbes pour générer la bonne arête. Là, non, bah, on travaille directement dans la matière comme un cochon, on change la vue à volonté quand on en a envie. N'y a aucune prise de tête, quoi. Ça va être un Cyrano, celui-là. Ouais, ça va être un Cyrano, je le sens bien. Hop. On améliorera après. Alors, ça, c'est oui, un truc qui est toute la philosophie de cette façon de bosser là pour créer des objets 3D. C'est que vous y allez vraiment progressivement. Votre truc ne ressemble à rien au démarrage. Faut pas rusher comme un goré et attaquer tout de suite du détail dans une zone. Non, vous allez dégrossir tranquille. Puis après, petit à petit, vous allez repasser là où vous avez commencé pour affiner, amener des détails, etc. Et puis vers la fin, vous amènerez les textures et éventuellement, si vous êtes sage, il y a un gros bouton Paint ici. Alors celui-là sera l'objet d'un autre stream, je m'y suis pas vraiment penché encore, qui lui vous permet de carrément peindre les mappings dessus. Sans avoir aucun problème de placement. Cerise pour sur le gâteau pour les gens qui font du jeu vidéo, le mapping que vous peignez, il est carrément créé en masque à la sauvegarde si vous le souhaitez. Donc après, vous avez carrément une planche de mapping de référence qui va exactement sur votre objet. Vous pourrez rebosser dans Photoshop ou dans n'importe quel autre logiciel de traitement. Retournons à notre affaire. Moi, je voudrais poser des yeux, tiens, tant qu'à faire, pour poser des yeux, il me semblerait logique de pousser la matière ou de l'aplatir. On va l'aplatir. Hop. Aïe. Remets mon curseur. Hop. Alors, on vérifie en bougeant un peu sur le côté. Hop. Et maintenant, il faudrait que je la pousse. Pouf. On va y arriver. Alors je parle pas en même temps parce que je vois pas trop ce que je pourrais vous raconter à part ce que j'ai pas mangé à midi. Et j'ai pas de super news intéressantes contrairement au ragoût d'internet. C'est juste ouais, vous faire voir la manip. Tranquille. Hop. On va repousser ça un peu plus. Alors pareil, faut pas avoir peur de faire de la merde, comme on dit. C'est-à-dire de vous tromper. On a le droit de se tromper. Il n'y a pas de série undo à la chaîne. Mais le soft est là pour faire que, de toute façon, vous allez corriger comme vous voulez, quand vous voulez. Smooth, c'est pour adoucir les contours. Je le dis progressivement. Flatten, on a vu que c'était pour aplatir. Draw va vous permettre de tracer vraiment des coups de pinceau dans la forme. D'accord? Donc ici par exemple, on peut s'amuser à faire ressortir les yeux, mais ce n'est pas le principe et ce n'est pas du tout ce que je voulais faire. Sachant que chaque objet, quand il marche d'un côté pour tirer dans un sens, bah en fait, il marche également en appuyant sur la touche Alt, en faisant la chose opposée. D'accord? Et ça, c'est vachement pratique. Bah, le coup des pommettes saillantes, c'est parti, mes petits gars. Vous avez bien compris où je voulais en venir. Hop. Alors, de côté, ce que ça donne. C'est pas trop mal, il a un petit air Chirac, non? Hein, je dis, je rigole quand même. On a le droit de rigoler pendant un stream. Non? Ok. Je ne le referai plus, promis. De toute façon, j'avais un collègue streamer qui me disait surtout jamais de politique pendant les streams. Et il avait bien raison. N'est-ce pas, Chaos? Ne rigole pas, je t'entends d'ici. Et voilà. Hop. On continue le bousin. Ah, c'est plus Georges Pompidou maintenant, je pense. Enfin bon. Hop, on va s'éloigner un petit chouille avec la molette de la souris. On va rebouger le pépère comme ça. Et on va faire un petit étirement massif à ce niveau-là. Même plus gros. Hop. Non, c'est pas celui-là, Kiki. L'autre. Ah! Tu m'énerves. Il m'a énervé.
Hop. Et si on sortait les oreilles, ce serait pas mal. Tout en gentillesse. On va se faire un vrai petit Dracula de dessin animé. Un Dracul. Un Draculino. C'est le mot exact. On va lui faire des oreilles un petit peu plus Mickey, histoire qu'on puisse se moquer, parce que les méchants sur lesquels on ne peut pas se moquer, ça perd quand même beaucoup d'intérêt. D'où le succès de Moi moche et méchant, on est bien d'accord. Vous avez vu comme je ponctue bien mes streams en utilisant régulièrement cette phrase purement inutile et gratuite, on est bien d'accord. C'est pas trop mal là les gars, qu'est-ce que vous en dites? On l'a bon? J'ai été clair sur le stream? Bon. Donc je récapipette les objets qu'on a ici. Ici pour créer ben, des sillons. Ici pour faire des rotations. D'ailleurs, on ne l'a pas testé. Vraiment. Je peux vous faire voir en gros ce que ça va faire. Hop, enlevez-moi du big. Donc hop, j'appuie, j'indique un rayon. Et le truc me déforme selon un axe. Ouh, regardez-moi ça, on est en train de faire un bad boy. Ah ouais, non, il est vénère là. Il est très très vénère. Ici, objet pour agrandir, diminuer. Ici, l'objet pour directement dessiner. C'est-à-dire que ça permet de faire des petits reliefs. Vraiment dessiner à coup de pinceau. Aplatir. Tiens, j'aplatisse là, moi d'ailleurs. Grab, bah, celui qui vous sert à étirer toutes les formes. Très pratique pour faire des cornes, des tentacules, tout ce que vous voulez. Ou alors pousser de la matière carrément. Donc, tiens, je vais le faire ici. C'est un poil ridicule, ça. Hop. Alors, il y a un petit truc rigolo que vous pouvez observer en bas de l'écran. C'est une espèce de compteur avec triangle en bas à gauche. Le soft vous indique en permanence la quantité de polygones que vous créez. Parce qu'en fait, au début, on part sur une sphère. Une sphère, c'est une formule mathématique relativement simple. Donc, à ce niveau-là, il y a un nombre de polygones donné. Et en fait, toutes les déformations que vous allez créer dans votre modèle, ben, c'est autant de polygones qui vont être rajoutés sur les zones où il y aura particulièrement du détail. C'est bon à savoir pour les gens, surtout qui ont des petites configs, sachant que le soft est vraiment très très léger et il vous arrêtera uniquement si vous êtes capable de remplir la mémoire. Et avant de la remplir, moi je suis sur une machine à 16 Go, donc je crois que je ne suis pas couché. Qu'est-ce que je devais vous faire voir d'autre? Oui, on finissait le récap de ça. Inflate, je ne l'ai pas essayé et je ne l'ai jamais essayé dans le soft. C'est censé quand même faire des boules. Donc on va essayer là, mais je sais pas comment ça marche. Ah, on va lui faire une bonne série de ganglions, je pense. Ça fait vraiment une boule. Ouais. Et si j'exagère, est-ce qu'elle va juste exploser et faire une goutte qui pendouille? Non, quand même pas. Ça peut être pas mal pour faire bah, regarder en particularité ce qu'on trouve sur le collier du Triceratops. C'est charmant. Voilà pour ça. Pinch, pincer, ben, pinçons voir. Je l'attrape d'abord pour le pincer. Alors pincer, c'est pas pincer au sens attraper. Confondez-le pas avec l'outil grab ici, qui lui réellement, ben, il prend un morceau, hop, on se met dessus. Je suis pas au bon angle de caméra, ben, on va la voir. Hop, je l'ai attrapé là. On est d'accord. Sentez bien que c'est comme si je l'avais pincé entre le pouce et l'index. Ce pincer-là, lui, il attrape pas au sommet. Au contraire, il va resserrer le tramage qui modélise toute la zone en bas des reliefs pour donner un côté moins. Bah, c'est comme si on passait de quelqu'un de gras à quelqu'un de maigre. Je ne sais pas comment vous l'exprimer autrement. Mais voilà, quand je fais ça, on sent bien que ça tire. D'accord? Donc voilà pour le principe de pinch. Je pense que je vous ai fait l'intégralité des fonctions. Le smooth pour adoucir, on l'a déjà vu. Ici, on a tout ce qui concerne le pinceau dont on se
Je m'en sers pas en fait, très honnêtement. Vous regarderez dans le manuel, c'est beaucoup plus simple. Ici, on a une zone de masse qui va permettre quand même de protéger certaines zones pour les déformations les plus fines. Ça, pareil, vous le testerez, mais c'est du zonage d'objets, tout simplement. Et puis voilà, que dire d'autre? On va passer à la partie un poil plus orgasmique, parce que ça, un enfant de 4 ans, je lui aurais laissé la tablette graphique, il faisait pareil. Et oui, faut quand même être au courant. Donc on va passer à la partie plus orgasmique qui concerne à peindre sur le modèle, mais commencer à lui donner de la texture au pépère. Donc, texture disponible. On va faire un gros pâté. Ah ouais, on sent qu'il y a de la texture disponible. Bon, c'était pas ce qu'on voulait faire, mais dans l'idée, vous pigez le truc. Ça veut dire que maintenant, on a carrément des pinceaux avec lesquels on peut appliquer directement un effet de bump, c'est-à-dire un effet de relief, via l'utilisation de masques de texture. D'accord? Ces textures, vous pouvez tout à fait les trouver sur le net, en créer de nouvelles vous-même. Point de vue limitation, il n'y a pas trop de choses pour vous arrêter. On va se mettre un peu plus près. Hop. On va voir ce qu'on va pouvoir faire comme torture à cette pauvre bestiole. Alors. Déjà ça, il ne faudra pas texturer en fait. Bon, c'est pas grave. Monsieur ne veut pas. On désactive, ça suffit. Voilà. J'essaie de me faire une zone limitée pour les yeux, histoire d'avoir quand même un repère visuel et de pouvoir bosser avec les textures comme il faut. C'est parti, mon kiki, je lis. Alors, il y a un truc que j'adore, j'ai un petit délai, mais c'est à cause du stream, c'est bosser les rainurages avec de la texture. Ça, c'est que du bonheur gratuit. Il n'y a qu'à imaginer les rides qu'il y aurait sur le visage de la chose que vous voulez fabriquer. Et ensuite, vous vous laissez guider tout naturellement. Il n'y a aucune contrariété. Hop là, peut-être un petit peu fort. Alors l'avantage d'utiliser quand même la tablette, c'est que là j'ai la pression qui est gérée. Donc je peux aussi bien forcer comme un gros bourrin. Qui allait comme si je caressais la glaise, quoi. Alors, le côté pratique d'avoir la barre espace qui vous ramène l'interface, quand même, c'est que ça vous économise pas mal de kilomètres à retourner dans cette damnée palette. Parce qu'elles ne sont pas très très loin, mais cumulées avec la répétition du geste, ça peut être rapidement pénible. Là, je vais juste scroller. Monsieur, monsieur, je veux scroller, s'il te plaît, merci. Oh, tu es bien aimable. Même moi, je ne maîtrise pas encore toute l'interface quand même, c'est pas devenu naturel. Hop! On va finir la session sur le. Ouais, je vais avancer le dessin comme ça en faisant un peu n'importe quoi, tranquille, sans se prendre la tête. Et puis on se retrouve éventuellement sur un autre stream qui parlera d'autres fonctions que je vais peut-être détailler un peu plus, voire essayer de démystifier ce fameux mode paint, bien qu'il soit complètement évident. Je pense qu'il n'y a pas besoin de tuto. Moi, l'idée en fait, c'était surtout de vous faire découvrir ce programme. Parce que d'une part, c'est pas courant qu'on laisse des modeleurs 3D. Qui ne sont pas faits avec des interfaces parfaitement habitables. Je n'ai pas nommé Blender, mais bon, j'y pense très très fort. Donc, c'est pas souvent qu'on vous fait un programme 3D gratuit pour faire de la modélisation, d'une part. Et d'autre part, ce mode de création, je pense qu'il va réellement plaire à beaucoup de monde. C'est vraiment quelque chose qui est beaucoup plus naturel pour bosser que les interfaces plus précise des gros logiciels qui font, oui, certes, beaucoup plus de fonctions, mais au prix d'un manuel qui fait 600 pages minimum, quoi. C'est sans les plugins, hein. J'insiste quand même. Donc voilà, vous voulez faire de la 3D, essayez. Je pense que c'est pas du temps perdu. Si le programme vous plaît pas, vous le balancerez à la poubelle. S'il vous plaît, amusez-vous bien avec. Petit rappel, c'est sur de la prod quand même de personnages.
de bestioles, d'êtres vivants, biologiques, voire éventuellement de la végétation. Si vous voulez faire des flingues, des robots, des immeubles, oubliez, c'est pas du tout fait pour ça. On bosse un perso là-dessus, on le finit, ou sinon, on l'a assez avancé pour pouvoir le filer à quelqu'un qui est plus fort dans les softs de 3D qu'on sait pas utiliser, qui sont des grosses usines à gaz, comme je dis depuis le début, et qui, lui, se fera un plaisir de prendre bah, ce croquis de base qu'il aurait peut-être pas su faire, et l'optimiser juste ce qu'il faut pour en faire quelque chose de finalisé. Walou, j'espère que ça vous a plu de faire un petit stream qui concernait autre chose que des jeux, qui vous a peut-être permis de découvrir ce programme. Si ce genre de truc vous plaît, ben dites-le, parce que j'ai plein de petits programmes comme ça, qui sont des petits outils qu'on a dans la boîte à outils, mais qui sont pas l'essentiel de ce qu'on utilise pour faire une créa. À tout bientôt, n'hésitez pas à commenter. Ciao, waouh.